Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéal et soi-même. Aujourd'hui, donc, j'ai une idée un peu folle avec de la laine. En fait, j'ai rassemblé un petit peu tous les restes de laine que j'ai trouvé et je vais réaliser quelque chose avec. Donc là, j'ai un crochet 9 mm avec. Voilà, donc j'ai tous ces restes de laine, donc vraiment comme vous pouvez le voir, de toutes sortes, de toutes couleurs. Toutes marques aussi, différentes collections. Donc c'est vraiment une idée pour, c'est vrai que quand on crochète, quand on tricote, on a souvent de la laine qui reste et on ne sait pas trop quoi en faire. Et ben aujourd'hui, je vais vous faire une petite expérience. Je vais essayer de réaliser une écharpe et j'espère qu'elle va vous plaire et que ça va vous donner une idée de pour la laine que vous avez en trop. Donc je vais travailler en ranger, hein, bien sûr. Je fais un peu de place. Après, l'idée, c'est de commencer avec la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez vous faire aussi déjà assortir, hein, enfin vraiment ranger les couleurs dans l'ordre que vous voulez pour votre travail. Alors, je commence avec celle-ci. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je compte. 1, 2, 3. Et je vais piquer dans la quatrième rangée. Et je vais faire la première maille serrée dedans. Après, je mets une maille en l'air. Et après, on continue. On saute une maille et ensuite dans la maille après, donc je vais réaliser donc une maille serrée. Donc toujours une maille en l'air et ensuite là, on fait une maille serrée et on saute une maille à chaque fois. Maille serrée, une maille en l'air et on saute une maille et on y est. Donc là je suis déjà arrive à la fin, donc ça va très vite. Donc ce sera la largeur que j'aurai pour mon écharpe. Donc voilà, ce sera très simple. Donc là pour la prochaine rangée, on fait pareil. Hein. Serré, maille en l'air, je vais dans l'espace en fait. À chaque fois, je travaille dans l'espace que j'ai laissé tout à l'heure avec ma maille en sautant une maille. Ok, donc là c'est comme ça, donc après je vais ici, donc après quelques minutes, donc j'ai fini le reste de ma laine, donc ça va très vite. Là, on a le début, donc on va faire un changement de couleur, hein. J'ai encore un peu de morceaux de celle-ci, donc je vais commencer donc la première maille serrée et en fait là je vais attraper donc l'autre fil et je vais le fixer comme ceci. Voilà. Donc je commence ma maille serrée avec la maille de base et je la termine avec la nouvelle laine, avec le nouveau fil de laine. Là, je suis déjà dans la prochaine rangée, hein. Je arrive à la fin.
puis je vais vous montrer comment on réalise donc le châle. Voilà l'écharpe finale. Ok, donc là, j'ai changé donc les couleurs. J'ai fait exactement la même chose tout le temps, parce que je vous en ai montré. Donc c'est une écharpe assez fine, et on a ceci. Ceci avec les fils qui se réfléchissent à la lumière. Ici donc, on a un peu le violet, on a vraiment toutes sortes de couleurs qui ont été associées. Donc voilà. Donc j'ai mesuré, on a quand même 180 cm, c'est tout doux, c'est agréable à porter. Et je trouve que enfin, j'aime beaucoup. C'est un beau mix de couleurs, un peu fou, un peu dingue, mais c'est vraiment une idée pour recycler les restes de laine que vous avez. Comme ça, vous pouvez les réutiliser. Très pratique. Donc, aimez la vidéo si ça vous a plu. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Hein. Et puis, on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. On se dit à très vite. Salut !